Alors, cette pièce est écrite pour instrument grave. Donc, contrebasse, on peut la faire à la voix de basse, on peut la faire au contrebasson, ce qui est grave. On peut le faire au tuba. Et il y a ce cri qui sort, qui demandait, qui moi me demandait, puisque j'allais à Rome pour travailler avec la scène. Puis manger la mozzarella le soir. Oh, c'était gros. Et ce cri, évidemment, je l'ai beaucoup travaillé avec lui. C'est pas un cri, c'est un son d'ailleurs. Alors, un musicien, quand on répétait, on allait à Rome pour répéter, pour travailler. Et il me disait, avec la voix, cherche un son. Il me disait, alors il rentrait en transe comme s'il avait ses petits yeux bleus vifs. Il me disait, cherche un son d'ailleurs. Il me disait, ah, tu vas te mettre plus, tu cherches un son d'ailleurs. Il me disait, non, regarde comme c'était. Un son de nulle part. Oh merde. Et un jour, j'ai trouvé un son qui part de loin, sur mon même de. Et il était content, ravi, souriant, il m'a serré le bras, je crois que ce bras serré, je l'aurais tout, il m'a fait « Oh !» Il m'a tellement serré le bras, fort, là-haut, et il m'a regardé avec ses yeux bleus, il m'a dit « C'est ça !»« C'est ça !» Oh, madame, je vous jure que je le tiens, je vais essayer, il sera là, je suis sûre qu'il sera là. De ce son, qui n'est pas un cri, qui vraiment vient d'ailleurs. Je l'entends bien. Et sa musique est... On devient son. Dans la pièce s'appelle Macnongan. Il m'a dédié deux musiques. J'en ai quatre sous basse. Et celle-là, avec ce son d'ailleurs, cette voix.